Salut à tous, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, voilà, sur ces modes-là. Donc c'est pour voilà, stocker des balles et des palettes, etc. Donc vous avez plusieurs petites fonctionnalités. Donc vous avez trois modèles. Donc un petit. Voilà, je vais juste me mettre sur la route pour que vous voyez un petit peu. Un modèle plus grand, voilà, avec de la déco que vous pouvez enlever ou remettre comme vous voulez. Et un machin, voilà, pour un bâtiment, voilà, pour les champs. Voilà, vous mettez en bordure de votre champ, etc. ou ailleurs, hein, ou dans votre corps de ferme. Après, ça, à vous de voir. Donc voilà, hein, là j'ai pris les trois modèles. Mais je vais juste utiliser le grand. Donc celui-ci, hein, c'est celui du milieu. Voilà. Il vous coûtera 2000 et quelques euros. Quoi, 2000 euros, mais après ça dépendra. Voilà, s'il faudra la déformation du terrain. Donc après, c'est pas compliqué. Hein, voilà, vous arrivez. Donc voilà, là j'ai enlevé la déco. Donc il vous suffit d'aller sur le petit rond. Voilà, là il vous marque show décoration. Donc voilà, ça veut dire la remettre. Et hide décoration, ça veut dire l'enlever. Voilà, et là vous avez un autre marqueur. Voilà, c'est hide marqueur. Donc soit enlever les marqueurs. Donc voilà, vous avez que les traceurs noirs et jaunes. Donc vous voyez, vous avez plus de piliers. Et là, si je les remets, voilà, vous avez des piliers, etc. Après, c'est à vous de voir, hein, selon ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, voilà, je vais prendre des balles. Et voilà, vous voyez vos balles, elles apparaissent déjà directement, voilà, en stockage. Et après, ben voilà, quand vous voulez les récupérer, ben c'est tout simple, hein, vous allez sur le petit trigger ici, voilà. Vous faites L3, ouvrir le menu de stockage. Voilà, et après, ben, il vous dit, voilà, là vous en avez 16. Voilà, je vais en récupérer deux. Et voilà, elle spawn ici, sans aucun problème. Et après, ben voilà, vous pouvez aller nourrir vos animaux, etc. Et pareil pour les palettes. Donc voilà, hein, j'ai préparé après. Voilà, donc là, c'est des palettes d'œufs. Donc je vais juste remettre les balles. Voilà, les poteaux sont anti-collision, etc. Après, vos palettes, il faudra peut-être les. Je vais faire autrement.
Donc là, j'ai pris une palette d'herbicides. Ça marche, c'est surtout pour les balles. Et voilà, et après, ben, vous avez soit 250 ou 250 ou 500 unités. Et après, ben voilà, il y a peut-être plusieurs choses à faire. Ou voilà, après, vous pouvez sûrement mettre des palettes, je regarderai plus attentivement. Et après, pour les balles, et ben voilà, ça marche sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!